Et du coup, c'est des batailles à chaque fois. Hein. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Angélique? Alors, aujourd'hui, on fait une plantation à 3 rangs, 1300 plants en une journée. Hein, attends. Combien? Oui, 1300. Ça nous prend la journée. On est donc sur le terrain de Monsieur Cartier-Mignon, dans la Dombe, et qui a réservé une partie de ses parcelles pour remettre de la haie et forêt champêtre, pour qu'il puisse y avoir un repère de biodiversité dans cet immense parc qu'est la Dombe. Donc, insectes et oiseaux. Et puis, comme la Dombe, c'est quand même un territoire de passage pour les oiseaux, eh bien, ça leur permettra de trouver gîte et couvert sur la route. Voilà. Ça, il serait temps maintenant. Bah, quand pas même. D'humour, toi. Ouais, en fait, il a fait moins 1, donc ça va. Moins 1, ça va, mais ouais. Jusqu'à moins 5, on peut planter parce que la terre ne gèle pas. Elle est longue un peu. De la viande au biais. Alors, du coup, mais dans tous les trous rouges, là, les arbres sont là, et dans tous les trous sont faits, donc c'est parti. Il reste plus qu'à planter. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui vous a amené à collaborer avec Prenons Racine aujourd'hui? Eh bien, en fait, je voulais reconstruire des haies qui ont disparu autrefois. J'ai cherché des solutions pour replanter ces haies et j'ai tapé sur internet et j'ai trouvé Prenons Racine. Donc j'ai contacté Madame Valin qui m'a dit oui, on fait ça, bien sûr. Montrez-nous un peu votre projet qu'on l'étudie. Et elle m'a conseillé sur les endroits où placer ces haies et aujourd'hui on a abouti à la plantation. Donc c'est plutôt très satisfaisant parce que ça fait 2 ans que je réfléchissais à refaire ces haies qui vont nous permettre de remettre un peu des graines et des arbustes qui vont profiter aux petits oiseaux, aux pigrièches, aux pinsons. Et en fait, la haie est fondamentale pour retrouver une petite faune sauvage ici en Dombe. Et voilà. Là, en plus, on est avec toi. Il y a quelqu'un qui a dit, parce que pour être calé. Là, c'est en train de partir. Bon, j'espère que tu prends sur moi un téléphone. Non, mais là, c'est un petit peu plus loin.